Bonjour et bienvenue sur Rollis TV pour ce deuxième numéro de MJ consacré à la création d'un jeu de rôle de A à Z. Si vous avez raté le premier épisode, eh bien, je vous invite à retourner le voir. On vous met le lien dans la description ci-dessous et on va continuer pour poursuivre. La première émission, quant à elle, s'attachait particulièrement à l'idée émergente, à comment créer et à comment confectionner cette idée, comment la développer. De ce deuxième numéro, va s'attacher, lui, un petit peu plus sur des choses matérielles, sur l'écriture pure de votre jeu de rôle. On reviendra de toute façon en filigrane tout au long de ces émissions sur la création, puisque clairement, elle n'arrête pas et l'idée n'arrête jamais réellement au cours de création. Mais à un moment, il faut bien la structurer et c'est d'ailleurs un des propos de cette deuxième vidéo. On a eu l'idée, on a développé, on a une bonne idée de ce qu'on a envie de faire. On sait les limites et ben maintenant, il faut un peu se mettre à table et structurer son idée. Et c'est là l'une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est la structuration, c'est voir déjà ce que vous voulez en faire. C'était d'ailleurs un des objectifs de cette première émission, c'était de savoir dans quel but on le fait. Si le but peut évoluer, le but va aider à prendre la forme. La majorité des cas, parce qu'on va toujours avoir des cas un petit peu spécifiques, donc je vais prendre la grosse majorité dans cet exemple de création d'un jeu de rôle de A à Z, c'est-à-dire qu'on va commencer à rédiger un livre de base, un livre de règles, qui va présenter notre jeu de rôle. Alors, la première chose déjà à savoir, c'est ce découpage, ce qu'on appelle le chemin de fer. Alors le chemin de fer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un ensemble, alors on va déjà, d'ores et déjà, avant tout, déterminer la pagination finale qu'on veut. Est-ce qu'on souhaite un ouvrage plutôt léger, plutôt lourd? On va plutôt être dans les 500 pages, dans les 300 pages classiques du format. Alors, typiquement, vous embêtez pas encore sur le format du livre, cela viendra un petit peu plus tard. On va travailler dans la majorité des cas sous OpenOffice ou sur Word pour du traitement de texte brut. Mais toujours est-il qu'il faut avoir une idée tout de même du volume global qu'on veut atteindre. Si on est plutôt sur un livre d'une centaine de pages ou sur un livre de 500, ça ne sera pas du tout la même logique. Et on va créer ce chemin de fer. Le chemin de fer, eh bien, c'est ni plus ni moins que structurellement ce qu'on peut avoir dans la présentation de la majorité des ouvrages, c'est-à-dire la table des matières. On va tout simplement détailler globalement eh bien, comment va se structurer notre livre. Comment va se présenter le système, comment va se présenter la création de personnages, peut-être la faction de combat, est-ce qu'on a besoin d'un chapitre de combat, de faire en sorte qu'on voit le schéma logique aussi dont on a besoin d'écrire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour deux choses, même si ce n'est pas la maquette définitive et pas forcément le chemin de fer définitif, cela va nous donner une ordre logique d'écriture, c'est-à-dire que si je dois m'atteler à l'écriture du chapitre sur la création de personnages, il est peut-être intéressant de savoir si j'ai déjà écrit en amont ou pas d'ailleurs, mais si en amont aura lieu la présentation du système, et pareil de même si la présentation du monde est en amont ou en aval du chapitre sur lequel je suis en train de travailler. Il y a d'ailleurs une notion importante à avoir, c'est qu'on peut travailler tous ces chapitres et d'ailleurs de façon un petit peu indépendante. On peut de temps en temps écrire un petit bout de chapitre de combat, puis revenir après plutôt sur la description de monde, en fonction du temps qu'on a dispo, de l'envie et de l'idée qu'on a à ce moment-là, et aussi de l'inspiration tout simplement. Mais il faut avant tout structurer cette table des matières pour savoir dans quel ordre on va structurer les choses et dans quel ordre on va avancer. Parce que cela va éviter une des choses qui est extrêmement compliquée par la suite à avoir, eh bien c'est cette espèce de redondance qui pourrait arriver si on ne structure pas de la bonne façon. On va retrouver des mêmes idées dans la création de perso et dans le système, alors que est-ce qu'on a réellement besoin de mettre l'explication dans les deux chapitres? Pas sûr. De même, on va vouloir de temps en temps faire référence à un chapitre, mais en fait, il est après et pas avant. Et donc, du coup, ça va être compliqué, notamment pour la création de personnages. Si on doit créer un personnage qui est très imbriqué dans le monde, eh bien, le monde doit être expliqué avant. Et c'est tout ce schéma, tout ce processus qu'il va falloir faire. Donc, cela est extrêmement simple. On va tout simplement prendre une feuille. Alors, vous allez soit faire une vraie table des matières. On utilise également régulièrement des fausses double pages, un peu en images, et on va greffer ici et là, et bien dire que ceci c'est le chapitre 1 qui va parler de ça, le chapitre 2 et ainsi de suite. Et vous allez d'ailleurs commencer en premier lieu par détailler vos gros chapitres.
Ça va vous permettre de savoir aussi ce que vous avez besoin d'écrire, ce que vous avez besoin pour votre jeu. Est-ce que réellement, et je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a réellement votre jeu a besoin d'un chapitre consacré au combat? Vous faites peut-être un jeu sur l'adaptation des arts martiaux, et dans ce cas-là, effectivement, un chapitre sur les prouesses martiales est totalement presque obligatoire. Ou au contraire, le combat va quelque chose être d'anecdotique, vous êtes plutôt sur une ambiance horrifique, vous êtes sur un jeu de rôle qui va vraiment s'apesantir sur l'ambiance autour de la table et peu de confrontation. Dans ce cas-là, est-ce qu'un chapitre de combat me paraît peu utile et il va plutôt s'imbriquer dans une logique du système de jeu plutôt qu'avoir besoin de son chapitre indépendant. Il y a également divers chapitres qui vont être intéressants à mener, tels que est-ce que vous allez réaliser un chapitre consacré au conseil de meneur de jeu ou comment mener dans votre jeu. Est-ce que votre jeu va proposer des scénarios un ou plusieurs? Et si oui, est-ce que c'est des scénarios introduction à l'univers ou c'est des scénarios indépendants? Voilà un petit peu des logiques que vous allez devoir avoir pour structurer tout simplement votre ouvrage. Donc la première chose, c'est de lister tous les besoins que vous allez avoir par grand chapitre. Je vais donc avoir un chapitre présentant le monde. Je vais avoir un chapitre présentant les factions. Je vais par exemple avoir un chapitre présentant le système. Un chapitre sur la création de personnages. D'ailleurs, le système et la création de personnages ont-ils un intérêt dans mon jeu? Ou est-ce que j'utilise un système générique? Et dans ce cas-là, je peux réellement préciser que j'utilise ce système et directement aller à l'essentiel qui est comment j'ai adapté ce système pour correspondre à mon jeu. Donc vous le voyez, c'est vraiment ce schéma structurel qui va être extrêmement important à mener et c'est une étape clé dans la création d'un jeu de rôle puisque c'est lui qui va vous permettre après, par la suite, de structurer correctement votre livre. De ne pas avoir de redondance, de ne pas avoir des choses qui apparaissent alors qu'elles n'ont pas encore été développées. La deuxième chose à faire avec ce principe de création, c'est tout simplement de bien hiérarchiser, organiser sur votre ordinateur. Faites des sauvegardes, nommez tout de suite vos différentes versions d'écriture aussi. Il faut que ça soit clair. Vous allez voir, vos textes vont être maniés et remaniés. Et il faut rapidement adapter une nomenclature pour vos textes pour ne tout simplement pas vous y perdre dans les nombreuses références que vous aurez. Ainsi, je vous conseille tout simplement de créer un fichier ayant pour nom le nom de votre jeu de rôle ou projet jeu de rôle si vous n'en avez pas encore de nom. Puis après, faire tout simplement chapitre par chapitre. Vous pouvez même créer des dossiers par chapitre. À l'intérieur de chaque chapitre aura le fichier texte qui peut être lui structuré ou non et bien noté par exemple soit la date d'écriture, la dernière date ou V1, V1.5, V2, V2.5 et ainsi de suite au fur et à mesure des corrections. Pareil, vous pouvez ainsi avoir des V1 corrigés ou des V1.5 pour relecture ou des choses comme ça. Mais nommez au plus précisément vos fichiers puisque c'est extrêmement important et il n'y a rien de pire que de perdre un fichier ou d'effacer un fichier par erreur et de perdre des heures de travail. D'ailleurs, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail et ce le plus possible sur de multiples supports. Voilà, maintenant qu'il s'est dit, vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs les solutions du cloud ou vous envoyez vous-même un mail. C'est plus simple pour essayer de récupérer les choses puisqu'on s'est envoyé un mail. Bon, s'il y a un plantage, on va se récupérer le mail ou quel qu'on soit, on s'auto-envoie des mails. Donc voici la grosse structuration que va devoir prendre votre jeu et se poser donc effectivement les différentes questions. Donc c'est savoir, et pour ça, vous allez prendre par exemple, prenez 4-5 jeux de rôle et ouvrez la table des matières. Et vous allez voir tout simplement comment ils organisent leur jeu. Est-ce que pour vous, c'est tout simplement la bonne idée d'organisation? Est-ce que tel paragraphe va être intéressant? Ça va aussi vous permettre, après, une fois que vous avez détaillé vos gros chapitres, de faire tout de suite vos sous-chapitres, de dire, dans cette thématique-là, je vais aborder ce point-là, ce point-ci, ce point-là, et ainsi de suite, de déterminer point par point le contenu de vos chapitres. Et vous allez ce qu'on appelle créer tout simplement la structure de votre jeu. Vous allez avoir le titre du chapitre, le titre 1 qui va être la première grosse sous-section de votre chapitre,
puis peut-être après un titre 2 qui est lui un sous-titre au fur et à mesure. Également essayer d'adapter tout de suite eh bien, une cohérence dans l'écriture, c'est-à-dire mettez par exemple tout de suite tous vos exemples en italique. Vous savez que sur que ce soit sur Word ou sur OpenOffice, vous avez la possibilité de créer des chapitres types, enfin des exemples types de paragraphes. Donc si c'est un paragraphe standard, ça sera telle écriture. Si c'est un titre 1, ça sera telle écriture. Si c'est un titre 2, ça sera telle écriture, ainsi de suite. D'ailleurs, je vous le conseille également pour la phase de maquette, mettez bien vos titres en fonction du style que vous voulez avoir. Si c'est le titre 1 s'appelle T0, le suivant s'appelle T1, et vous l'écrivez juste avant le titre, ce qui permettra au moment de la maquette de savoir très clairement quel niveau de titre vous avez. Voici donc le premier conseil pour cette seconde vidéo de création de A à Z, c'est déjà de donc bien organiser et de prendre l'initiative de chapitrer correctement votre jeu de rôle et de créer ce qu'on appelle donc eh bien, tout simplement le chemin de fer de celui-ci. Et prenez également l'habitude dès maintenant de noter un petit peu tout ce que vous allez avoir à travers votre univers, notamment si vous allez avoir besoin d'illustrations, que ce soit vos inspirations, noter les références, ou bien si vous allez faire un ouvrage un peu libre et que vous utilisez même des illustrations libres de droit, eh bien de noter tout le nécessaire pour, par la phase de la maquette, avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'il y a besoin de mettre dans les crédits, quels sont le nom des illustrateurs, est-ce que même si c'est des illustrations libres de droit, vous avez besoin de faire des références, bien mettre les disclaimers, vérifier d'ailleurs au passage si votre jeu est une adaptation, eh bien, ou si vous utilisez des illustrations qui sont disponibles un peu n'importe où, si vous avez réellement le droit de les utiliser pour pas éviter tout embêtement plus tard. Donc voilà un petit peu tout ça, comment ça va se dérouler, c'est de bien structurer. Après, vous allez vous commencer à vous mettre à écrire. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'ordre particulier d'importance d'écriture. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez écrire, c'est qu'il vous faut une idée globalement finalisée de ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, que ça soit du côté du système de jeu, de la création de personnages, comme de la description du monde, vous allez, au fur et à mesure, donc comme je vous le disais, sous-chapitrer au fur et à mesure pour structurer de plus en plus et pour, au final, n'avoir plus que des courts paragraphes à rédiger. On vous le disait d'ailleurs dans la première vidéo, il va y avoir une extrême importance sur l'écriture de manière régulière, sur prendre l'habitude d'écrire. Et c'est en structurant ainsi que vous allez rapidement pouvoir écrire de manière régulière. C'est-à-dire que, en fonction du temps que vous avez, vous allez savoir tout de suite si vous allez plutôt vous orienter sur l'écriture d'un chapitre de règles, beaucoup plus simple à rédiger, puisqu'il faut juste simplement être suffisamment alerte pour bien donner ses idées, mais au final la création n'est pas réellement là puisque on a déjà créé l'univers, le système de jeu, il faut simplement l'expliquer, et donc c'est juste cette explication qui a besoin d'être la plus claire possible. Savoir si vous allez prendre des exemples, réfléchissez tout de suite si par exemple dans les exemples vous allez créer un personnage dans le chapitre et réutiliser ce personnage pour l'explication du système de jeu. C'est toute cette cohérence que vous allez amener au fur et à mesure qui va être intéressante et qui va vous permettre d'avoir une facilité d'écriture par la suite de l'ouvrage, puisque vous allez écrire petit à petit et vous allez déjà savoir ce qui apparaîtra ou est déjà apparu d'ailleurs dans les chapitres précédents. Donc c'est toute cette organisation. Après, vous allez également avoir dans la description du monde, si vous savez déjà que votre univers va se découper de telle ou telle façon, comment le structurer? Est-ce que vous avez besoin de présenter les villes? Est-ce que vous avez besoin de présenter de manière plutôt générale? Est-ce que vous allez présenter royaume par royaume? Toute cette structuration va le faire. Et après, en fonction du temps que vous avez, donc oui, je vais écrire soit, j'ai pas longtemps, je vais écrire plutôt une particularité de règles, ou ici, je vais m'attacher plutôt à telle description dans l'univers, ça peut être la description, pourquoi pas, d'un lieu emblématique, ou alors, au contraire, vous allez plutôt aller sur la description d'un personnage. Vous allez également prendre en conscience petit à petit de la création. Si vous savez que vous avez un scénario qui arrivera en fin d'ouvrage, eh bien, vous commencez à vous dire qu'est-ce que je vais mettre dans ce scénario-là, quelle sera l'intrigue principale, est-ce que je vais faire intervenir des personnages que j'ai besoin de présenter plus en avant dans les listes des règles. Par exemple, s'il y a une faction qui intervient dans le scénario, il est peut-être bien de décrire correctement cette faction précédemment et de mettre le maximum de matos dans votre liste de règles.
Peut-être que dans votre scénario, on présentera rapidement la faction, mais toujours est-il que eh bien, les maîtres de jeu pourront très facilement du coup se référer, puisqu'on vous aurait su qu'il fallait mieux la décrire, puisqu'elle interviendra de manière plus complète. Vous avez également le droit de penser à la suite, parce que vous n'allez pas pouvoir tout mettre dans un livre de règles, vous allez devoir faire des coupes, dans la plupart des cas, et donc déjà savoir si vous allez par la suite écrire un, deux ou trois suppléments, si vous allez plutôt créer une campagne de jeu, eh bien cela va vous aider aussi à chapitrer correctement votre livre de base, puisque vous saurez qu'il y a du matériel que vous allez créer pour plus tard. Ça n'empêche pas de le créer même dès maintenant, mais dans la hiérarchie, vous savez que eh bien, vous pouvez l'enlever de manière plus facile que si vous deviez tout simplement remanier tous les textes, parce que bah, vous enlevez une faction, vous enlevez quelque chose, et hop, ça déséquilibre le tout, il faut tout réécrire. Donc vraiment, pensez à structurer au maximum. Donc le chemin de fer, quand vous faites des recherches, à bien noter eh bien, dans un fichier en annexe, eh bien, telle référence c'est pour ça, telle référence c'est pour ça, telle illustration vient de tel endroit, et ainsi de suite, pour structurer au maximum votre jeu de rôle. C'était donc la deuxième étape, l'importance de la structuration avant de commencer réellement la rédaction. Une autre des données importantes, c'est tout simplement de se mettre des deadlines de création, des points clés, des dates clés en fonction de vos envies. Alors, soyez logique, ne mettez pas des deadlines trop proches ou trop éloignés. Il faut quelque chose qui vous mette la pression, mais qui soit réalisable. Et c'est ainsi que vous allez aussi progresser, parce que l'être humain est naturellement poussé vers la procrastination. Et si vous avez vraiment des bases, des deadlines à respecter, vous allez vous pousser vous-même à écrire, à réfléchir, à structurer vos idées, et aussi à éviter de remanier sans cesse et sans cesse. Donc n'oubliez pas, la pause de deadline est importante. Ces deadlines peuvent être très grosses, c'est-à-dire finir un chapitre à tel temps, ou bien plus simplement de vous donner des deadlines de bah, « il me faut le système de jeu parce que j'ai mis une deadline de playtest avec mon groupe de joueurs à telle date », mais mettez-vous des challenges réalisables, je le précise, donc en fonction de votre activité annexe, etc. Peut-être que ça peut être 15 jours, 1 mois, 2 mois, peu importe, mais mettez-vous des deadlines. Comme à mon habitude, je vais vous présenter un ouvrage. Enfin, celui-ci, c'est l'anatomie du scénario, cinéma, littérature et ciné-télé. Alors, ça s'attache plus particulièrement à l'écriture d'un scénario, mais on voit d'ores et déjà dans cet ouvrage eh bien, la structuration qui doit se faire au fur et à mesure et comment penser ses idées. C'est là l'intérêt de cet ouvrage pour moi. Donc c'est de la collection cinéma, c'est disponible pour une 25€ à peu près. C'est John Turby qui l'a écrit. Et donc on va reprendre eh bien, les différentes trames, les différentes ambiances, comment structurer un petit peu son scénario. Et de manière plus générale, ça permet aussi d'avoir une bonne idée par la suite de comment structurer ses idées. Donc pour moi, c'est une vraie bonne lecture, tout simplement car si elle n'intervient pas directement sur ce chapitre-ci, elle interviendra plus tard au moment de formaliser un petit peu plus les choses, et notamment dans l'écriture, si vous avez choisi de mettre un scénario d'ambiance. Ce que je vous recommande d'ailleurs amplement pour ma part, c'est vraiment, puisque le scénario va donner votre idée, l'ambiance que vous donnez à vos parties, vous ressentir un petit peu plus qu'à travers la description pure et dure du système ou de la création du monde. Voilà, c'était le deuxième conseil OMJ sur la création de A à Z. N'oubliez pas de mettre vos questions, que ce soit sur YouTube ou Facebook, et on se retrouve pour une troisième émission qui continuera d'évoluer tranquillement pour aller jusqu'à la finalité de votre jeu. Enfin, je finirai cette vidéo en vous présentant un label MyJDR par l'ancien éditeur Origins, qui a fermé ses portes depuis. Origins, c'est notamment Aegyptus et Knight. Il a créé un label MyJDR pour accompagner les auteurs en termes de processus créatif dans une logique éditoriale. En tant qu'ancien éditeur, il va vous donner et va vous aider à avoir les billes pour savoir comment structurer vos idées, comment justement un petit peu le contexte de toutes ces vidéos. Voilà, si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir le label MyJDR. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Holist TV. On se retrouve avec des interviews, des critiques, des conseils, des capsules. Ciao !